Ce n'est pas du tout une généralité qui réside au sein de cette phrase, bien au contraire. C'est simplement une idée que si jamais tu veux concevoir le montage en tant que youtubeur, bah ces deux-là sont un petit peu des références dans le genre. On utilisera les deux exemples ensuite, mais le fait est que depuis maintenant quelques années, on sent que sur YouTube, la plupart du temps en tout cas, il y a deux manières de faire, et que le montage est au cœur de ces deux méthodes. Que ce soit dans le rythme des images, dans la gestion des effets, que ce soit le zoom, les cuts, etc. ou que ce soit plus radicalement dans la manière de concevoir le montage et de le mettre en place. L'idée est de savoir si tu as envie de te poser et donc de laisser ton flow prendre le pas ou de plutôt faire en sorte que le montage soit ton ami. Beaucoup de youtubeurs voient le montage comme la partie la plus longue et ennuyeuse du procédé de création. Mais le fait est que tout simplement c'est la partie qui demande le plus de recul, parce que l'on va se juger, se regarder et s'écouter pendant plusieurs heures, ce qui peut être assez embêtant, et voire plus radicalement assez chiant à constater au bout du compte. Pourtant, le style d'un youtubeur réside énormément par le biais du montage. Et c'est peut-être en partie pour ça que j'adore cette partie. Commençons donc par le style de Squeezie, qui a très largement fait sa réputation pendant un temps, le logeant très facilement dans la catégorie des youtubeurs débordant d'énergie, et en ayant presque à revendre. C'est cela son style à Lucas. C'est cette idée de se mettre en avant par le débit assez frénétique de ses paroles, mais surtout par le jeu très élégant d'un enchaînement radical et parfois violent d'images qui vont faire sens, mais qui vont rapidement résonner comme de la nervosité visuelle qui n'est pas forcément du goût de tous. Mais il ne faut pas se fermer à cela. Si dernièrement le youtubeur s'est calmé, on peut dire que l'équipe de la Redbox a très largement pris le relais et que McFly et Carlito sont clairement les dignes héritiers de ce style tranché qui ne fait pas l'avis de tout le monde, mais qui a fait ses preuves étrangement. Ce n'est pourtant pas une généralité donc de voir dans ce style quelque chose de finalement assez efficace et plutôt logique. Et puis de l'autre, il y a François Terrel, aka le Fossoyeur, qui rentre plutôt dans une catégorie très chill de montage, plus proche d'un montage cinématographique que d'un réel montage dynamique sur le papier, ce qui n'est pas pour me déplaire, vous vous doutez. Son montage est dans le même style que celui de Axolot, dans le sens où l'on ressent l'idée de vouloir se poser, de parler d'une passion, mais de le faire avec réflexion et douceur pour faire passer un message de manière plus simple, mais tout aussi efficace. Style posé, mais pour autant tout à fait lié. Ce style est un moyen de mieux se faire comprendre, mais peut donner également la même impression que dans un cours, c'est-à-dire c'est efficace, c'est sympa, mais ça semble un peu long, et par moments pas forcément si équilibré ou ouvert que cela. Deux méthodes donc qui synthétisent de manière plutôt efficace cette idée que si on veut concevoir le montage, il y a plusieurs écoles. Et donc, par le biais de ça, on va commencer à s'intéresser à quelque chose qui est de l'ordre du rythme, et donc poser cette idée que rapide ne veut pas dire inaudible.